Alina Wester, à votre tour de présenter votre dissertation devant la classe. Le plus grand rêve de mon grand-père était de servir son pays. Il s'engagea dans la marine à l'âge de 18 ans. Il commença comme matelot, puis après plusieurs années de loyaux services, il devint sous-lieutenant avant d'atteindre le grade de lieutenant-colonel. Pour lui, défendre sa patrie au péril de sa vie était l'accomplissement ultime. Mais la rencontre avec ma grand-mère vint perturber ses aspirations militaires. Ils se rencontrèrent par le biais d'amis communs. Ils ne se quittèrent des yeux toute la soirée et, timide mais confiant, mon grand-père l'invita à sortir. L'expression trop has-been. Nous sommes en 1952, abruti. Essaie de suivre. J'emploie les expressions de l'époque. Ils tombèrent amoureux en seulement quelques semaines. Et, quelques mois plus tard, mon grand-père demanda sa main. Elle accepta et ils se marièrent un an après leur rencontre. Mais ma grand-mère ne savait dans quoi elle s'engageait. Son mari enchaînait les missions, à gauche, à droite, pendant plusieurs mois, et pouvait revenir que quelques jours. Ma grand-mère ne supportait plus cette situation. Amoureuse, elle ne se souciait point de ses rêves de famille et de son besoin d'avoir un mari présent. Mais ce manque devenait de plus en plus lourd à porter. Après une mission de plus de 8 mois, ma grand-mère lui posa un ultimatum, elle ou sa carrière. Évidemment, le divorce n'était pas envisageable à l'époque, si bien que ma grand-mère misa tout sur l'amour de son mari. Ah, c'est bien une femme ça. Pardon ? Il n'y a qu'une femme pour reprocher à son mari une vie qu'elle a choisie de son plein gré. Grant, silence ! Pas de sexisme en classe. Alina, continuez. Et ma grand-mère eut raison de croire en l'amour. Mon grand-père abandonna sa carrière de lieutenant-colonel. Il prit du temps pour lui et son épouse, le temps de réinventer sa vie. Ils eurent 3 beaux enfants, ma tantine Serena, mon oncle Lévi et ma mère Hélène. Ils grandirent à San Francisco. Je sais que cela sonne très cliché, mais mon grand-père était un père extrêmement strict. Toujours très soigné, bien habillé, bien coiffé. Rien ne devait traîner à la maison. Et si un de ses 3 enfants marchait un peu de travers, c'était la punition immédiate. Il avait une organisation et une vision de la famille très carrées. Ma tantine et mon oncle étaient sages, réservés et obéissants. Mais ma mère, elle, était une rebelle. Les chats ne font pas des chiens. Telle mère, telle fille, comme on dit. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, tu es une sacrée rebelle. Non, non, je ne suis pas une rebelle. Je suis LA rebelle. Tu n'as même pas idée, mec. Bon, cela suffit. Continuez, Alina. Et sans commentaire, je vous prie. Tout était prétexte à énerver son père. Ses tenues, ses expressions et ses notes scolaires. L'armée manquait énormément à mon grand-père. Son rêve lui paraissait hors de portée. De façon radicale et inattendue, il endossa le rôle de père autoritaire, à courir après les mauvaises notes et les mauvais comportements, laissant derrière lui l'adrénaline et le sentiment d'avoir vraiment une place dans ce monde. Il détestait sa nouvelle vie, mais par amour pour ma grand-mère, il abandonna son rêve derrière lui. Aujourd'hui, mes grands-parents ont respectivement 72 et 69 ans. Ils sont à la retraite et vivent sur la côte californienne. Où exactement ? J'en sais rien, je ne les vois jamais. D'après ma mère, la sorcière, ils vivent dans une mini-maison avec une salle de bain aussi rikiki que mon avenir. Ma grand-mère est une amoureuse des croisières, à tel point qu'elle insiste pour en faire 3 par an. La maison est assez grande pour 2. Surtout avec le peu de temps qu'ils y passent. Je ne pourrais vous dire si aujourd'hui mon grand-père est heureux, mais je sais avec certitude que ma mère n'a jamais considéré ses parents comme un couple heureux. Et pour fonder son propre couple, ma mère ne suivit point les valeurs de ses parents. Alina, vous n'avez pas respecté les consignes. Vous deviez nous présenter une morale à travers une histoire familiale. Quelle est votre morale ? Ne jamais faire confiance à une femme. Harris, taisez-vous ! Si quelqu'un vous aime passionnément, elle ne doit pas vous empêcher de réaliser vos rêves. Dans un couple, il est important de considérer le bonheur de l'autre autant que son propre bonheur. Ma grand-mère savait que mon grand-père était militaire. Elle n'aurait pas dû lui demander de tout abandonner. C'était injuste. Devons-nous tout abandonner par amour,
abandonner ses rêves et renier qui l'on est au fond de nous-mêmes. Ma dissertation porte sur l'acceptation de l'autre, les compromis et le couple. Ma question est pour vous, madame et chers élèves. Si vous étiez dans la même situation que mon grand-père, auriez-vous tout abandonné par amour ? Hey ! Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'Internet. Bienvenue dans ce nouveau Spiel Build. Aujourd'hui, je vous présente une narration un peu différente de d'habitude. J'espère que cette petite narration vous plaira. Après les Lucas, les Harrington, les Vester, il était temps de vous parler de la mère d'Alina dans Merci Papa. Alors, dans la narration, Alina la traite de sorcière. Et si vous voulez savoir à quel point Eline est une sorcière, regardez Merci Papa. Alors, cette petite maison, c'est une œuvre de Kida au niveau de la coquille. Il fallait la rénover à l'issue d'un concours qu'elle a lancé pour ses 100 abonnés. Donc, voici ma version du concours de Kida. Vraiment, foncez voir sa chaîne, elle est super. C'est une fille vraiment hyper gentille, toujours positive. C'est un bonheur de regarder ses vidéos et de pouvoir bénéficier de sa joie de vivre, son enthousiasme et sa positivité. Vraiment, foncez. Le lien est dans la description. Foncez voir sa chaîne et abonnez-vous, elle le mérite. Un grand merci à toutes et tous pour avoir visionné cette vidéo, mes chers naufragés d'Internet. Prenez soin de vous, c'était Alivi pour vous servir. You should change your name to laughter. You bring joy to every room. All the voices vanish after hearing such a lovely tune. You should change.